et l'Internet aussi, est en train d'élever davantage l'insoumission des femmes et l'infidélité des hommes. Voici la révélation que j'ai reçue. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Pourquoi on n'a pas dit Marie, soyez soumise, soyez soumis, ou femme, aimez? Mettons, ben, l'homme n'a pas à se soumettre à sa femme, c'est déjà logique, mais la femme aussi doit aimer. Pourquoi on n'a pas dit femme, aimez vos maris et soyez soumises? Mais on dit seulement à la femme, sois soumise. C'est parce que le combat de l'homme, c'est la fidélité. Le combat de la femme, c'est la soumission. Les hommes sont plus attirés vers l'infidélité et les femmes sont attirées vers l'insoumission. Donc les hommes sont attirés vers l'adultère, les femmes sont attirées vers la rébellion. Avant, je pensais, déjà pour les hommes, je savais que les hommes ont déjà un problème de fidélité. C'est rare d'entendre une femme infidèle. C'est très très rare, ça arrive, mais c'est très très rare. Mais pour la soumission, j'ai reçu cette révélation. Souvent on pense que la femme est soumise naturellement. Non, la femme est rebelle naturellement comme l'homme est infidèle naturellement. Bibliquement, qui est le premier rebelle de la terre? La femme. Elle s'est rebellée contre Dieu en personne. Ce que soit signé Moubali. C'est pourquoi Dieu, connaissant la maladie des femmes, dit soyez soumises. Et regardez maintenant, avec le féminisme en ce temps de la fin, où on veut que la femme prenne la place de l'homme. Si vous ne savez pas, dans le plan des Illuminati, dans le plan des francs-maçons, il faut destituer l'homme parce que l'homme est le sommet de la famille. Il faut faire un coup d'état à l'homme afin de détruire les enfants. Et on sait que dans une famille, quand la femme devient l'homme, l'homme devient la femme, les enfants sont détruits parce que les enfants n'ont plus de repères. Les filles vont commencer à se comporter comme des hommes et les garçons vont se comporter comme des filles. Et vous remarquez de plus en plus, il y a des hommes sans autorité. De moins en moins, il y a des hommes autoritaires. Où tu vois vraiment que cet homme est autoritaire. Il n'y en a plus. Mais vous allez remarquer, de plus en plus, il y a des femmes autoritaires. La société actuelle, au travers des réseaux sociaux, est en train d'engendrer des familles monstres où la femme a l'autorité et l'homme est soumis. Ngapenza, vous m'en avez. Jamais, na matana mesa na emulai. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Vous allez remarquer, même au travers des films, maintenant il y a des femmes qui sont héros. C'est pourquoi moi j'aime pas les films où les femmes tapent les hommes. J'aime pas ça. Et de plus en plus, il y a ça. C'est une manière de dire aux femmes, ne vous soumettez plus. Ne vous soumettez plus. Vous êtes égal à l'homme et plus que l'homme. Vous êtes égal à l'homme et plus que l'homme. Je crois que la femme est égale à l'homme, mais Dieu établit l'homme chef de la femme. Mais sachez, mes frères et sœurs, lorsque tu t'exposes tout le temps aux réseaux sociaux et tu n'as pas le temps de lire la parole, tu auras une doctrine qui vient de l'homme blanc et tu vas te comporter comme les francs-maçons le veulent. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir dans les temps qui viennent, les mariages vont diminuer et il y aura beaucoup de divorces. Dans les temps qui arrivent, il y aura peu de mariages. Pourquoi? Parce que les hommes vont refuser de se marier. Pourquoi je vais me marier? Regarde mon frère, il est dominé par sa femme. Mon frère là, dominé par sa femme, dominé par sa femme, dominé par... je reste seul. Viens célibat. Et il y aura beaucoup de divorces. Les hommes vont commencer à en avoir marre d'être dominés par les femmes. Encore une autre chose que cela amène, l'infidélité. Hier, lorsque tu avais un ex, qu'est-ce qui se passait? Vous vous séparez, l'ex va aux États-Unis, toi tu restes au Congo, c'est fini, l'ex est ex. Mais aujourd'hui, tu peux googler l'ex. Tu tapes son nom et le nom de son mari. Eh, vraiment,
masumu obeti na komba mubali. Et tu cherches le nom de ton ex et le nom de son mari et tu commences à suivre sa vie, suivre sa vie. Et un jour tu l'écris sur Messenger. Hello. Elle aussi te répond hello. Comment toi là-bas? Moi ici vraiment je regrette. Tu souffres, moi aussi je souffre, donc nous souffrons. Et puis quand ça partageait vos souffrances, aujourd'hui il m'a tapé, moi on m'a mal nourri. Il a découché, moi 4 jours. Et puis vous commencez à vous envoyer des photos, des nudités, des choses et des choses. Le téléphone. Tout homme sérieux doit être capable de prendre son téléphone et le déposer devant sa femme pour lui dire ouvre. Tout homme sérieux. Ma femme connaît le code de mon téléphone. Même les frères qui sont mes gardes connaissent le code de mon téléphone. Même mes enfants connaissent. Je n'ai rien à cacher. Mais quand tu caches, donc il y a quelque chose. Toute femme sérieuse doit être capable de prendre son téléphone, donner à son mari. Je connais un homme, il a dû entrer dans un esprit prophétique pour déchiffrer le code de sa femme. Et le Saint-Esprit lui a donné. Quand il ouvre, il trouve des vidéos là-bas, ils ont divorcé aujourd'hui. Le téléphone. Le téléphone. Comment y remédier? Comment y remédier? La Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il faut que Jésus vienne à nouveau dans nos maisons pour qu'il détruise l'addiction et l'idolâtrie. Dis avec moi, Jésus vient dans ma maison. Jésus vient dans ma maison. Jésus vient dans ma maison. Viens détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et nous devons renverser les autels. Aujourd'hui, ce ne sont pas les autels de Baal. Ce sont les autels de Samsung, les autels d'iPhone, les autels du téléphone. Et ramener le téléphone à sa place. De la même manière que Gédéon a renversé l'autel de Baal pour établir l'autel de l'Éternel, nous devons renverser l'autel des téléphones pour établir des cultes dans nos maisons. Jésus doit redevenir le roi dans nos maisons, le seigneur de nos maisons. Je ne veux plus commencer ma journée au téléphone et la finir au téléphone. Je vais commencer ma journée à genoux. Je vais la finir à genoux. Et à table, je vais éteindre mon téléphone pour causer avec ma femme, causer avec mes enfants. Le téléphone ne sera plus le Saint-Esprit de ma vie, mais je vais commencer à consulter le Saint-Esprit. Décidez de renverser l'autel de Baal, l'autel du téléphone dans vos vies et que le téléphone redevienne à nouveau un instrument et qu'il ne soit plus un dieu. Alléluia! Alléluia! Où tu dis désormais dans cette maison qu'on mange, on ne regarde plus le téléphone. Où tu dis désormais quand je me réveille, je ne me réveille plus avec mon téléphone. Vous savez, même moi j'ai pris une décision. Le matin quand je me réveillais, je prenais souvent mon téléphone parce que mon téléphone a aussi l'alarme pour se réveiller. Et qu'est-ce qui est arrivé des fois? Pendant que tu pries, tout d'un coup tu reçois une pensée. Ah, l'église, on doit arranger ça. Ok, tu arrêtes, tu vas sur WhatsApp, tu dis, ami, arrange cette vidéo, et tu fermes, et tu reviens. Non, je dépose mon téléphone, je sors prier sans mon téléphone, je finis, et mon téléphone est dans ma chambre, je prie dehors. Quand j'ai fini, je prends mon téléphone, et je me suis rendu compte, lorsque le diable découvre une nouvelle habitude, il se sent bloqué. Vous devez changer des habitudes, vous devez changer des habitudes. Donne-moi la main. Maman décide, lorsque ta fille te parle, de déposer le téléphone. Papa décide, lorsque ton fils te parle, de déposer le téléphone. Décidez cela. Lorsque vous rentrez à la maison, j'ai trop consulté mon téléphone. J'ai trop travaillé. C'est l'heure pour ma femme. C'est l'heure pour ma famille. Vous devez prendre cette décision. C'est pourquoi je demande à tous les pères qui sont en ce lieu de se tenir debout. J'aimerais vous parler. Tous les pères. Cher Père, tenez-vous debout.
tout ce que je suis en train d'enseigner ce matin, si vous les perdez, vous ne les prenez pas au sérieux, rien ne va changer. Parce que le changement dans une famille commence par papa. Si je dis toutes ces choses, ta femme est touchée, tes enfants sont touchés, et vous allez à table, c'est papa qui est sur internet, les enfants vont prendre leur téléphone et la femme aussi. L'homme est le premier leader spirituel de la maison. C'est l'homme qui est le prêtre. C'est l'homme qui doit donner la ligne de conduite. Lorsque ta femme te voit le matin, tu es au téléphone. Lorsqu'elle te voit manger au téléphone, tu lui donnes le droit aussi de le faire. Et les enfants aussi de le faire. Vous devez décider de devenir des leaders dans vos maisons. Vous savez pourquoi Dieu a cherché Gédéon? Et il n'a pas pris son père parce que son père était distrait. Mais si son père était concentré, c'est lui qui allait détruire l'autel de Baal. C'est à vous de renverser et de dire à vos enfants, on a le téléphone de telle heure à telle heure, et même dire à ta femme, tu es trop au téléphone, tu n'as plus le temps pour moi, tu n'as plus le temps pour les enfants. Lui dire, vous devez arriver à le faire et vous-même à changer. Lorsque ton téléphone, n'est-ce pas, il te dit que tu as 8 heures, n'est-ce pas, 8 heures au téléphone. Je regarde des fois mon téléphone, je dis, oh, comment j'ai pris trop de temps? J'ai regardé telle vidéo, j'ai regardé telle information, j'ai regardé, mais j'ai dit d'autres, je ne pouvais pas regarder aujourd'hui, je pouvais regarder demain. Mais le temps que j'ai donné à mon téléphone, c'était le temps pour Blanche, c'était le temps pour Oracle, c'était le temps pour Choukrani. Et sachez les enfants, nous les avons pendant un temps, mais lorsqu'ils vont grandir, ils n'auront plus le temps de venir nous chercher. Tu as des petits-enfants qui courent vers toi et toi tu les rejettes parce que tu es en téléphone. Tu penses que lorsqu'ils auront 20 ans, ils vont te chercher, 18 ans, ils vont te chercher. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous réclament pour leur donner du temps. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous cherchent et ont des questions à vous poser. Profitez. Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à des personnes que tu ne vois pas, à des virtuels, le temps que tu devais donner à ta femme? C'est à vous d'établir le culte familial et dire dans cette maison, telle heure on prie. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui doit établir le culte familial. Ça, c'est l'heure de la prière. C'est l'homme qui doit rappeler à la maison, c'est l'heure de la prière. Ce n'est pas la femme. Aujourd'hui, nous sommes des missionnaires, nous les hommes. Nous avons donné le travail spirituel aux femmes, alors que l'homme, c'est lui, le sacrificateur de la maison. Asseyez-vous, papa. Les mamans, tenez-vous debout. J'aimerais parler aux femmes, aux mamans, aux mères. Maman, vous êtes des contrôleuses de la maison. C'est vous que Dieu établit comme des sentinelles. Lorsqu'on lit la Bible sur la femme sage, on voit que c'est une femme qui contrôle sa maison, qui surveille sa maison. Mais mettons qu'il y a une caméra qui est déposée ici. Mais cette caméra, au lieu de regarder là, regarde ailleurs, on va voler. Et lorsque une femme est tout le temps dans son téléphone, c'est une caméra qui est distraite. Tu n'as pas le temps de voir que ton mari est en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que tes enfants sont en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que la moquette est devenue sale. Tu n'as pas le temps de voir qu'il y a des toiles d'araignée. Tu n'as pas le temps de voir qu'il n'y a plus de qualité dans votre relation. Chère maman, réveillez-vous. Sortez de la distraction. Déposez le téléphone. Vérifiez votre maison. Vérifiez la vie de vos enfants. Vérifiez la vie de vos maris. Vérifiez votre maison. Vous allez vous rendre compte que le temps que vous avez pris à être tout le temps dans le téléphone, il y a des choses qui vous ont échappé. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Et sachez que dans le domaine du leadership, c'est celui qui contrôle qui est chef. Quand est-ce que tu vas penser à ton mari, penser à tes enfants, penser comment tu peux faire des nouvelles choses, transformer ta maison. Si tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures au téléphone, à moins que ce soit ton travail. Mais si ce n'est pas ton travail, pourquoi y passer autant de temps? Vous êtes en train de détruire votre vie réelle pour une vie virtuelle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les garçons, les célibataires garçons, tenez-vous debout. Certains au milieu de vous, vous êtes célibataires à cause des téléphones. Oui. Un homme, garçon, tu es tout le temps comme ça. Comment tu vas avoir une belle fille qui est passée?
Tu es tout le temps en train de regarder des vidéos. Comment tu vas voir que cette fille est charmante? Comment tu vas voir que cette fille, c'est le genre de fille que toi, tu as demandé à Dieu? Je vous ai parlé de ma rencontre avec Maman Blanche. Il n'y avait pas un téléphone. J'étais concentré. Et puis j'ai vu. Et j'étais jeune. Hein? J'étais jeune. Ma première rencontre avec Maman Blanche, j'avais, je crois, 25 ans. 25 ans. Parce que je l'ai épousée 5 ans après. 25 ans. Mais j'étais en train de prier. Seigneur, ma femme. Lorsque seulement elle est entrée, j'ai dit, c'est elle. Mais toi, quand ta femme va entrer, vidéo grave. Tinelanga, tinelanga, tinelanga. Partagez, partagez. Tu as grandi, tu dois te marier. Tu as grandi, tu dois quitter ton père. Tu dois quitter ta mère. Tu as grandi, tu as grandi. Mandefou, désébi, mi frère, mandefou. Mandefou, frère, mandefou, mandefou. Tobi maman de fou na bandaro ba parents. Tobi maman de fou na bandaro ba parents. En français. Nous sortons la barbe dans la maison des parents. Comment tu auras la rage de voir qu'un papa de 70 ans fatigué te nourrit? Comment tu auras la rage de voir un papa fatigué te payer l'eau et l'électricité, changer l'ampoule de ta chambre? Comment tu auras la rage de voir un papa de 70 ans t'habiller quand tu es tout le temps au téléphone? Mais quand tu vas déposer ton téléphone, tu vas regarder ta vie, que tu n'as rien dans ton compte en banque, tu n'as que toi. Tu vas te rendre compte que tes amis se sont mariés, tes amis ont des enfants, tes amis sont en train de construire des maisons. Tes amis sont en train de se battre dans la vie. Parce que des fois, la vie virtuelle nous empêche de nous réveiller pour la vie réelle. Quand vous sentez la solitude, n'allez pas sur Internet. Soyez seul pour la sentir très bien. Ça va diminuer tes caprices pour épouser une femme. Des hommes capricieux comme des femmes. Boy, atamboli biente. Boy, manzaka biente. Boy, ndeko. On gaz à la photo Instagram. Enlevons même le mariage pour ce qui est de la réflexion. Il a été démontré que celui qui s'expose trop au téléphone diminue son cortex préfrontal. Préfrontal. C'est la partie du cerveau qui permet de réfléchir, de raisonner, de prendre des décisions. Et ainsi, tu reportes toujours à demain tes décisions. Tes décisions. Je ferai. Le téléphone fait ça aussi. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une génération qui est en retard. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les sœurs, tenez-vous debout. Vous savez, l'église Compassion, c'est l'une des rares églises qui a plus d'hommes que des femmes. Oui, à la Compassion, 2/3, ce sont les hommes. Voici ce que j'aimerais dire aux sœurs. Une étude a été faite que les femmes passent plus de temps sur les réseaux sociaux que les hommes. Ce sont des spécialistes qui ont fait cela. Ma sœur, lorsque tu es tout le temps au téléphone et que tu es tout le temps dans la vie virtuelle est caractérisée d'une chose, tout est embelli, tout est beau. Rares sont les personnes qui vont sur Internet mettre une photo vilaine d'elles. Nous mettons toujours les meilleures photos. Nous ne montrons pas nos cuisines. Nous ne montrons pas nos toilettes. Nous ne montrons pas les endroits qui ne sont pas parfaits. Nous montrons les salons. Nous montrons des belles choses. Ainsi, lorsque vous êtes tout le temps sur Internet, tout le temps au téléphone, sans que vous sachiez, vous ne vous préparez pas à la réalité de la vie. Qu'est-ce que la réalité de la vie? Des défauts, des erreurs, des épreuves, des coups de la vie. Et ça fait que la génération actuelle des femmes est incapable de supporter les chocs de la vie. Vous vous mariez pour vivre des films alors que la vie, c'est la réalité. Ainsi même, vous ne prenez pas le temps de causer avec vos mamans pour poser des questions à maman. Maman, comment on vit avec un homme? Maman, comment on prépare? Maman, non, vous connaissez tout. Tout. Nous sommes dans la génération de « je les connais ». Vous connaissez tout. Et vous ne parlez pas à vos mères pour poser des questions
Et lorsque vous allez dans le mariage, vous allez vide, ignorante, mais belle. Certains ne savent pas préparer, ne savent pas faire un lit, ne savent même pas prendre soin d'elles-mêmes. Mais les mamans peuvent nous dire cela. Mais quand du matin au soir, une fille est au téléphone, quand est-ce qu'elle va apprendre les vraies valeurs de la vie? C'est pourquoi, chers parents, exercez votre autorité afin d'aider vos enfants. Et si les enfants sont déjà âgés, vous ne pouvez pas ravir le téléphone, mais causez avec vos enfants. Tu passes combien de temps? Parce que nos téléphones aujourd'hui peuvent nous dire combien de temps nous y passons. Tu as fait 7 heures au téléphone, ça produit quoi? Rien. Hier, tu as fait 5 heures, ça produit quoi? Rien. Ne peux-tu pas changer de vie? Peut-être que tu peux développer une relation humaine avec quelqu'un de vrai. Et ça va développer ta vie que d'être tout le temps dans l'imaginaire. Et tous ces problèmes nous arrivent avec le téléphone à cause d'une seule chose. Jésus-Christ n'est plus au centre de nos maisons. Et comme Jésus n'est plus au centre, le téléphone est devenu le centre parce que la nature a horreur du vide. Chaque fois qu'il y a un vide, la nature remplit et la nature maintenant a rempli. Et Satan avec. Le téléphone devient omniprésent dans nos maisons et ça a chassé Jésus. Que Jésus revienne dans nos maisons, que la prière revienne dans nos maisons et nous vivrons le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.